On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en ville. Essayez de communiquer maintenant. Thank you.
sont tous morts. Je me disais, t'as mis trop de temps d'aimer. C'est trop tard. Troupe allemande et barrage droit devant. Je dois surtout pas me faire repérer par ces patrouilles. Il y a une patrouille là. Unsere Stellung wurde angegriffen. Schickt rasch Verstärkung. Verstanden. Schickt sofort Männer zu euch. Feindlicher Soldat! Ils ont placé un barrage. Schubert! Also, der kleine Schubert! Faut pas que les patrouilles allemandes me voient. Der Kommandant will nicht, dass wir viele Löhre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux.
zur Hölle? Ça m'étonnerait qu'il y ait des survivants ici. Weiter!
Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. On y va ! Continuez à avancer ! Allez!
À l'attaque! Idrissa! Te voilà! Je savais que tu t'en sortirais! Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien! Mais on a gagné! Les Allemands prennent la fuite! Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund! Vous n'avez pas gagné. On n'a pas en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par l'arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère, ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ne tire que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement.
C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Die Mistkerle sind da drüben! Scheiße! Fahr mich vor den Danu!
tire plus. Une grosse machine dégueulasse, sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions, la mort ou la survie. C'est parti, fini la discrétion, j'espère qu'on s'en sortira. Je lâche la face de ta cul.
Nos troupes n'ont plus rien à craindre de vous maintenant. Se débarrasser de ces canons.
Allez, garde ton calme. On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine. Thank you.
Idrissa. Oh mon Dieu. Idrissa. Réponds-moi. Idrissa. Regarde Idrissa. Nous sommes des rois. Fier de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. L'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.